Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour la FAQ, mais du coup, voilà, c'est la FAQ de fin de mois. Faut le dire, voilà, c'est une FAQ de fin de mois. Donc j'espère en ce cas que vous allez bien, et voilà, je vais poser quelques petites questions sur Insta, allez-y, balancez ce que vous avez à balancer. Et du coup, ici, ben voilà, ça fait 2-3 heures que j'ai publié la story, donc c'est parti, let's go, on va commencer tout de suite la vidéo. Première question, qu'est-ce que ça fait d'avoir presque 300 vues sur une vidéo? Alors vous parlez de la morning routine, alors oui c'est vrai que j'ai quasi 300 vues. Je pense que je suis à 200 idées, mais voilà, je vous mettrai la capture d'écran à combien je suis bah, actuellement. Et donc bah ça fait que ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre. Faut le dire, voilà, c'est inhabituel. Moi d'habitude, je fais 3-4 vues, voilà. Voilà, c'est. C'est quand même relativement bizarre, mais c'est chouette. Voilà, c'est chouette de se dire qu'il y a 200 personnes qui ont vu ma vidéo. Donc oui, ça fait bizarre, mais c'est chouette. Alors voilà, vous êtes directement entré dans le vif du sujet d'une question. Bam! Un crush en vue. Vous savez bien que j'aime bien être assez discrète sur ma vie privée. Ma vie sentimentale aussi, mais ça me fait bizarre en fait. Mais bon, du coup, comme vous posez la question. Je vais vous répondre, hein. Voilà, je pense que je suis un peu, voilà, un peu obligée. Donc oui, un crush en vue, oui. Un retour sur Instagram. Alors oui, vous avez vu que j'ai posté deux fois des photos. Ouais, là je commence à être un peu plus en accord avec moi. D'ailleurs, la vidéo de la semaine passée que vous avez vue, c'était mon retour sur Instagram et je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Donc oui, je vais avoir la même tête. Voilà, je filme des vidéos le même jour, donc voilà, je vais avoir la même tête. Mais oui, hein. Ouais, vous avez vu que je suis beaucoup plus active en fait sur Insta en ce moment. Ah, zut! Ouais, j'ai fait un petit comeback sur Instagram. Donc ouais, vraiment, je suis trop contente. Voilà. Disons que voilà, je vous en dirai pas plus parce que voilà, il s'est passé. Voilà. Okay, je vais vous expliquer ça. Voilà. Si vous voulez voir, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la semaine passée. Là, je vous dirai tout en fait. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple. Mais oui, un retour sur Instagram, oui. Alors, tu supportes quelle équipe à l'Euro? J'ai vu que en premier, tu supportes la Belgique. Alors oui, je supporte la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Attendez, je compte combien j'en suis. Belgique, Allemagne, Espagne, Italie. Bon, on va en dire 4. Et l'Angleterre, oui, l'Angleterre, 5, voilà. Je supporte des équipes pour l'Euro, hein. Vous avez bien vu que je suis un peu une fan de foot, hein. Voilà. Le foot, quoi. Alors, quel logiciel de montage utilises-tu? J'utilise Sony Vegas et... Je pense que c'est le 15. Pas sûr, mais voilà, je vous mettrai un petit update dans la barre d'infos s'il faut. Un aliment que tu surkiffes. Alors, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est de la crème fraîche au chocolat. Oh purée, c'est une tuerie, j'ai vidé la bombe en 3 jours. Et en plus, ça se trouve qu'une fois par an en Belgique, donc vous imaginez là, je vais devoir attendre un an pour pouvoir en manger. Un endroit top à visiter en Belgique. Moi, je dirais le bois de Hal. Franchement, c'était vraiment super chouette, c'est beau. Je vous mettrai en barre d'infos des petites photos et franchement, c'est enfin des petits liens pour que vous puissiez voir les photos. Et franchement, c'était cool. C'est vraiment un endroit où on peut se balader bien tranquillement dans les bois, où on fait un peu une connexion avec la nature et je trouvais ça vraiment chouette. Mais ça, en fait, on ne doit pas payer pour rentrer. Dans le bois, enfin, j'ai des gens qui faisaient du sport, des gens qui marchaient, enfin, je trouvais ça vraiment chouette, donc je suis contente. Ouais, je peux vous le conseiller cet endroit-là. Une annonce prochainement, oui, bientôt, en fait, vous allez voir sur ma chaîne, on va prendre aussi une tournure un peu plus d'amour aussi, voilà, voilà quand même le dire. Comme je n'ai pas fait une deuxième chaîne, autant vous faire sur une chaîne. Et donc du coup, bah, en fait, je vais réagir à des vidéos. Couple, conseil couple, et moi je vais dire ce que j'en pense, voilà, sans spécialement démonter la personne parce que chacun a un avis différent en fait, tout simplement. Donc, oui, il y a une annonce à faire, bah,
C'était cette annonce-là. Une night routine de prévu. Oui, une night routine, oui, je t'en tournais une. Comme ça, ce sera la spéciale été, parce que là, j'étais presque summer, en fait, quand vous avez vu tout ça. Mais oui, en fait, je vais faire une morning routine été et j'en ferai une hiver. Et une night routine hiver aussi, été-hiver. Pourquoi pas automne, printemps, pourquoi pas les quatre saisons, parce qu'en vrai, il n'y a rien vraiment qui change, en fait, à part ma tenue, voilà. Disons que, voilà, il n'y a pas grand-chose qui change, mais voilà, pour réactualiser au cas où si j'utilise d'autres produits. Le retour des vidéos make-up, ça se fera en septembre parce que bah, du coup je maquille pas beaucoup. Il fait extrêmement chaud. En fait, pour le moment, en Belgique, avec l'été, moi je supporte quasi pas le maquillage. Si je mets un peu de correcteur et du mascara, voilà, c'est tout. Je vois pas une vidéo genre salut les filles, allez hop, mets du correcteur, du mascara, hein, bye. Ça sert un peu à rien. Voilà. Mais je vous ferai une vidéo spéciale skincare par contre, ce que j'ai découvert un petit peu en skincare. Et donc voilà, donc si vous voulez vous maquiller en été, grand mieux fasse, mais moi clairement, à part du mascara, c'est tout ce que je mettrais peut-être en été, et du waterproof, voilà. Clairement, rien de plus. Une vidéo spéciale à venir, bah, ce que je viens de vous annoncer en fait, tout simplement, bah, les vidéos où je vais réagir par rapport à des conseils couples, et donc voilà, à ce moment-là, bah oui, ce sera spécial, mais le reste, non, en fait, il n'y aura rien de... d'hyper spécial en fait, voilà. Perturbe parfois la motive sur les réseaux sociaux. Oui, ça arrive, c'est normal, voilà. Je sais pas, vous en avez pas dire plus. Faut aller voir la vidéo de la semaine passée pour ça. Quel TikToker aimes-tu bien regarder? Ou TikTokeuse? J'en suis un bien, c'est. Alors je suis Valentin Bruno. J'aime bien regarder, et il y a Log 5 aussi que j'adore regarder, c'est assez drôle. C'est bien parce que c'est un peu playlist et tout ça, donc je peux mettre un peu ma playlist à jour, vous voyez, donc j'aime bien regarder ça. D'ailleurs, je vous mettrai aussi ma playlist Mood en barre d'infos, et j'ai une playlist Spotify qu'il faudra aussi que je remette à jour, et je vais en faire une spéciale Summer, donc je donnerai mon pseudo Spotify pour que vous puissiez aller voir. Et. TikTokeuse, Makeup by Clémence. Voilà, ça je suis, ça j'aime bien. J'aime bien regarder, c'est satisfaisant. Ou alors il y a une autre TikTokeuse, mais je sais plus son prénom. Je suis vraiment désolée, mais je retiens pas tous les pseudos. Quel produit utilises-tu pour faire tes ongles? Le déshydratant en premier, c'est un indigo, parce qu'il y a que celui-là que je supporte, le reste, oublié, je supporte pas. Le primer, c'est l'antifongique de chez Bailey LSD. La base, c'est une base hybride de chez Bailey LSD aussi. Je vous liste tout en barre d'infos. Ensuite, la Crigel, c'est toujours du Bailey LSD. La couleur, c'est toujours du Bailey LSD aussi. Et la finition, c'est du Bailey LSD. Voilà. En tout cas, je vous ferai une vidéo où tout ce que j'ai. Bah, je pense que j'ai déjà fait en fait la vidéo, tout ce que j'utilise pour les ongles, mais bon. Bref, je réactualiserai tout ça à un moment. Et là, en attendant, les produits se trouveront dans la barre d'infos pour pouvoir choper. Est-ce que tu es en partenariat avec Bailey LSD? Non, je ne suis pas en partenariat. J'ai acheté moi-même. Je n'ai pas de code promo. Voilà, c'est du gratos quoi. C'est moi. C'est ma carte bancaire qui sponsorise Bailey LSD en vrai. Donc voilà. Et dernière question. Pourquoi es-tu aussi. Je vais pas dire le mot qui est clair parce que je trouve ça me correspond pas. Pourquoi es-tu si discrète sur sa vie privée? Bah, tout simplement parce que j'ai vu des gens qui voilà, ont dévoilé bien leur vie privée hein, et qui clairement, bah clairement, eux ils étaient en mode bah, Osef, voilà, je te dis tout, mais le problème c'est qu'après, bah voilà, on s'est un peu mêlé de leur vie et voilà, c'est un peu parti n'importe comment. Et moi, je veux pas ça, donc voilà, moi je préfère, j'ai toujours été comme ça, préférer que ma vie reste privée et qu'il n'y ait personne d'autre qui puisse y avoir accès à part les gens de mon entourage. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc voilà, c'est la petite FAQ pour le début du mois de juillet. Petite annonce à vous faire aussi. Pour le mois de juillet, vous avez bien remarqué, il va y avoir qu'une vidéo par semaine et la vidéo ce sera le jour le mercredi, j'allais dire le mardi à 18h cette fois-ci, pas 16h, 18h. Pourquoi? Parce que bah voilà, hein, clairement, farniente à la playa là, on n'a pas très envie, en fait, t'as 16h de rentrer pour la vidéo de Life is Beautiful, voilà, on s'en concarre un peu. Donc clairement, ce sera 18h la vidéo, donc un petit peu avant l'apéro, vous préparez, vous pouvez m'écouter, ou sous la douche, vous pouvez m'écouter.
Et pour vous faire une petite annonce, ce sera beaucoup des vidéos blabla. Je vais filmer aussi un long vlog de toute en fait, mais à partir du 1er juillet jusqu'à fin août. Et voilà, vous l'aurez le dernier jour d'août pour tout simplement un petit peu voir ce qui s'est passé durant mon été. Je serai sans filtre. Et alors, point de vidéo, ce sera beaucoup du blabla, un peu du couple, voilà. Un peu de vlog, enfin de vlog peut-être un, enfin je verrai un petit peu comment je vais faire ça. Mais voilà, j'ai vraiment envie de proposer du contenu différent et donc voilà, ça j'espère y arriver. Alors je vous laisse sous les 26 degrés de la Belgique et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!